aujourd'hui, les potes, j'ai décidé de lancer un petit let's play sur... Donc, les petits potes, n'hésitez pas dès à présent à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous follow à la chaîne Twitch, à vous follow au Twitter, etc. etc. Le premier épisode, je le fais tout seul. Par contre, normalement, le deuxième épisode, il y aura un ami à moi qui j'ai prêté mon compte. Pour tout simplement pour qu'on puisse jouer ensemble et faire le let's play ensemble. J'ai décidé juste de faire l'épisode 1 tout seul pour vraiment vous montrer le jeu, voir si ça vous plaît ou non, savoir si je dois continuer ou pas, savoir si mon pote doit venir ou pas, etc. etc. Voilà, donc Astroneer, un petit jeu que j'ai depuis maintenant un petit moment. C'est vraiment... Très honnêtement, c'est un peu mon coup de cœur, ce petit jeu-là. Alors, oui, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, entre guillemets. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un réel but, si ce n'est d'explorer des planètes, etc. et récolter des minerais, bref. Mais je trouve vraiment le concept très intéressant, et je trouve que les développeurs de ce jeu ont une incroyable idée. Le design est très enfantin, mais à la fois très cool. Donc voilà, je pense qu'on va lancer une nouvelle partie, tout simplement. Donc voilà, pour ceux qui connaissent Astroneer et ceux qui n'ont pas joué depuis longtemps, ou ceux qui connaissent Astroneer maintenant depuis pas longtemps, il y a beaucoup de mises à jour, enfin beaucoup. En un an, c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément énormément de mises à jour, comparé à d'autres studios un peu plus connus, qui ont un peu plus les moyens, comme par exemple BMNG Drive, voilà. Donc. Mais voilà, franchement, ce petit jeu il est fait avec amour et ça se sent, quoi, vraiment. Donc voilà, je pense que... Je vais arrêter de parler, on va commencer tout simplement le let's play tranquillement. Plus d'options d'utiliser le code, non, je m'en fous totalement. Voilà. Je veux lancer une nouvelle partie, s'il vous plaît. Ah oui, non, parce que c'est en haut, c'est vrai pour lancer. Confirmer les paramètres et lancer votre aventure. Oui. Allez, c'est parti, premier épisode de let's play sur Astroneer. J'espère vraiment que ça va vous plaire, parce que moi, franchement, j'avais envie de faire un let's play sur un jeu, j'avais très envie de le faire en live et de mettre les rediffusions sur Twitch. Je sais que il y a un futur let's play qui va arriver. Je vous laisse la surprise, je ne vous tease rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va être encore une fois avec un pote. Et ça va tout simplement être monstrueux. Très clairement, ça va être monstrueux, ça va être ultra cool. Alors par contre, j'espère juste que le jeu va pas laguer pendant que je live. Mais pour l'instant, ça a l'air de tourner plutôt bien. Donc voilà, hop. On va demander ceci. Alors je vais juste mettre mes rapid fire parce que personnellement je le préfère. Hop, ça, on va foutre ça ici. Hop là. Et pose-le, vas-y. Voilà, pef. Super, ça charge nickel. On va déballer ça aussi. Voilà, ça c'est le petit starter, n'est-ce pas. Salut Lucky, comment tu vas, poulet. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas Astroneer, hein, c'est un putain de jeu, franchement. Mais non, mais laisse-moi le déballer, putain. Oh les mecs relous. Voilà, là-bas. Allez, putain. Mais tu mouques. Merci. Hop. Non, pas ça que je veux. Bon, les commandes sont un peu entre guillemets compliquées. Enfin, elles sont pas simplifiées, mais je trouve vraiment ça cool. Hop. On va connecter ça ici. Hop. Salut Moon, c'est quoi le jeu? Ce jeu, c'est tout simplement marqué dans le titre, c'est Astroneer, voilà, c'est un petit jeu développé par un petit studio. Là actuellement il est en pré-alpha je crois, ou même moins, je sais plus exactement. Et en gros, si tu veux, on est largué sur une planète, on doit explorer, on doit trouver des minerais, etc. Essayer de survivre aux intempéries, etc. etc. Oh, me dis pas par contre que je récolte de l'organique, parce que ça va être chiant sinon. Si en même temps je récolte de l'organique et tout. Hop, là voilà, on ramasse du composite, voilà, donc ça c'est un peu les minerais de base, un peu comme la pierre et le fer sur Minecraft. C'est vraiment ce jeu, on peut un peu le comparer à Minecraft, mais c'est autre chose en fait, si vous voulez, c'est un peu sympa, voyez-vous. Hop, juste faut que je fasse gaffe à mon oxygène. Pas crever comme une grosse merde, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit let's play va vous plaire, les potes. Donc voilà, je le rappelle pour ceux qui sont présents sur le live. Je fais le let's play sur Twitch, mais je mettrai les rediffusions sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas aussi à aller follow la chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir.
par contre, je crois qu'en fait, elle n'est pas dans mes putains de raccourcis Twitch. Donc, en fait, je peux pas vous la donner. Je pourrais vous la donner qu'en lien. Bon, c'est pas grave. Je vous la donnerai après. Salut, Gourdin. J'allais dire Gourdin. C'est Gourdin. Excuse-moi ton pseudo. Oula, l'oxygène. Ah, mon dieu, je vais mourir. Non, c'est bon. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, les potes. J'espère vraiment que vous allez tous très très bien. J'espère que vous êtes hype un peu pour cette série. Mais en tout cas, je suis super content. J'hésitais vraiment à le faire parce que je savais pas vraiment si ça allait plaire ou pas. Non, pour faire une imprimante, en attendant, faut qu'on trouve de la résine. Il y en a là-bas, nickel. Ils ont bien réussi par rapport à la bêta. Quelle bêta? Il y a pas de bêta hein, pour l'instant sur ce jeu. Ce jeu, pour l'instant, là, actuellement, il est en pré-alpha. Hein, donc, il y a pas de bêta sortie pour l'instant. Le jeu est en early access, les gars. Hein, donc, et puis, vu que c'est un petit studio qui développe, il va mettre beaucoup de temps à se faire. Mais je pense très honnêtement qu'en fait, ce jeu a tellement de potentiel qu'il va faire un carton. J'en suis quasiment sûr. Bon, ça, perso, je suis content de l'avoir acheté quand il coûtait pas trop cher. Je l'ai acheté quasiment dès qu'il est sorti, enfin, dès qu'il a été présenté sur le marché. Je crois que je l'ai payé 10 ou 15 balles, je sais plus exactement. Enfin, bref. Ouais, franchement, c'est un jeu avec vos potes, pas vous poser tranquillement. Petit live Twitch, vos viewers qui vous regardent, qui commentent. Enfin, genre. Franchement, honnêtement, il y a beaucoup de jeux qui me font un peu dream, tu vois. Mais franchement, ce jeu-là, c'est... T'es posé, y a pas de rage, c'est juste du full délire avec des potes. Franchement, honnêtement, tout seul, c'est marrant, tu vois, tu fais tes petits trucs. Mais alors, putain, quand t'es avec des potes, tu te tapes des sales barres, hein, vraiment. Non, pas ça que je vais faire, voilà, merci. Oui, j'ai vu l'édition aussi. Torcher le jeu. Le jeu est fini? Non, pas du tout. Le jeu est loin d'être fini, frérot. Le jeu est très loin d'être fini, hein. C'est juste qu'ils annoncent que le jeu est fini, genre juste pour qu'ils se vendent un peu plus, etc. Entre guillemets, qu'ils se vendent un peu plus, enfin t'as compris ce que je veux dire. Mais le jeu, croyez-moi, que mec, il a encore facile. Ça dépend en fait le studio, l'ampleur qu'il va prendre dans ces années-là. Mais honnêtement, je pense qu'il y a encore du 5-6 ans de développement, franchement, pour que le jeu soit totalement terminé. Parce qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire avec ce jeu. Enfin bon, hop, on va déballer l'imprimante. Bref. Ah non, faut que je la case quoi, super. Faut que je ramasse des octets aussi, j'ai trop de choses à faire. Ouh, on va l'explorer ça là-bas par contre. C'est quoi déjà la touche? Ah oui, c'est ça. On va faire des rallonges. Oup, abra. Allez, dépêche-toi. C'est merde. Mais... Cul ! Hop, tac. Peut-être mettre de la musique en vrai, hein, parce que... C'est bien beau, mais... Toujours plus sympa quand il y a de la zik. Peut-être, mais je vais peut-être en mettre après. Petite musique chill, tout ça, tout ça. Ah, des octets. Ah non, c'est juste un truc analysé en fait, je suis débile. Avec mes potes, on va passer une couille, hein, donc... Et où c'est la version finale du jeu officiel, elle est sortie le 6 février. Oui, je sais, la version auquel je joue actuellement, c'est entre guillemets la version terminée du jeu. Mais je veux dire, en fait, si tu veux, c'est comme quasiment tous les jeux qui sortent en ce moment. Enfin, qui sortent. C'est-à-dire que c'est plus comme avant. Par exemple, pour citer quelques jeux d'avant, je vais sortir des vieux jeux, mais c'est pour que vous compreniez. Je parle des premiers Medal of Honor, etc. Genre. Quand le jeu était annoncé qu'il sortait, il était fini. Ok, genre c'était pas en mode. Comment je pourrais vous expliquer ça? Genre en ce moment. Bah là par exemple, bah, je vais prendre en titre indicatif, genre par exemple Rainbow Six Siege. C'est un jeu, ça fait 4 ans qu'il est sorti. Ça fait 4 ans qu'il est sorti officiellement, etc. C'était plus la bêta, c'est vraiment le jeu fini. Enfin, fini. C'est ce qu'on dit. Par contre, je vais arriver à brancher ce putain de cap de mes. Mais putain! Voilà, merci. Paf. Tourne-toi s'il te plaît, gros, parce que sinon je vois pas. Hop, ça on va mettre ça juste à analyser le temps que je vous parle. Hop. Donc ouais, et du coup les jeux avant quand ils sortaient, ils étaient finis. C'est-à-dire qu'il y avait des patchs pour corriger enfin pardon, pas pour corriger des bugs justement, pour ajouter du contenu ou des choses que, par contre what the fuck, tous les minerais, ils en ont tellement rajouté comparé à avant. Mais le jeu était terminé, c'est-à-dire qu'il y avait des nouveautés qui sortaient pour alimenter le jeu tout simplement, mais le jeu était fini. Alors que maintenant, aujourd'hui, genre par exemple, je prends encore une fois l'exemple de Rainbow Six Siege, le jeu ça fait 4 ans qu'il est sorti, mais il est toujours pas fini. C'est-à-dire que là, ça fait 4 ans qu'il est sorti officiellement, mais il est toujours en développement. Et c'est pareil pour Astroneer, si vous voulez.
Donc c'est pour ça que je dis que le jeu est encore entre guillemets en alpha. Oui, certes, la version officielle est sortie. Putain, j'ai déjà de rallonge, c'est casse-couille ça aussi. Allez, dépêche-toi. Mais voilà, entre guillemets, la réelle version, genre vraiment finalisée du jeu, bah, c'est quand il y aura plus de patch, à part pour corriger peut-être quelques bugs ou rajouter du contenu encore une fois. Mais il y a encore beaucoup de taf à apporter à ce jeu, quoi. Donc voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Normalement, il y a des minerais là-dessous. Normalement, si je me trompe pas. Ça fait pas trop longtemps que j'ai pas joué à Astronir. Enfin, ça fait longtemps, pardon, que j'ai pas joué à Astronir, du coup. Alors, c'est juste du fou de débris là, tu vas me dire? Non. Genre. J'aime. On va rip. Avec des débris, mais les débris pour l'instant, j'en ai pas besoin. Encore des débris, toujours plus de débris. Oh, par contre, ça, le panneau solaire, je prends 1000 fois. Non. Chiette. Mais non, mais. Viens là. Oh, chier. Cimer. Paf. Ça, je vais le prendre aussi. Ça m'intéresse. Oh. Par contre, les commandes sont toujours aussi casse-couilles, hein. Je pense qu'on va se mettre un petit peu de musique parce que c'est un peu triste. Ouais, la musique du jeu suffit, mais en fait, je sais pas vraiment comment commenter. Parce que vu que je suis tout seul, c'est un peu compliqué de commenter des jeux comme ça, mais. Hop, j'ai combien d'octets là actuellement? J'en ai 27, ok, super. Tac, normalement ma plateforme est finie. Attends, juste que je refasse une. Paf. Attends, je vais la brancher vite fait à ça. Genre ça prend deux. Oh merde, je pensais que ça prenait qu'un. Chiep. Du coup, je peux pas la raccorder. C'est bien de la merde. Ouais, faut que je mette ma grosse imprimante aussi. Oh, j'ai tellement de choses à faire. La nuit va tomber. Je pense que si la nuit tombe. Bon, je sais pas que vraiment qu'est-ce qu'on va faire en vrai. Je pense que je vais essayer d'aller faire des octets et des minerais entre guillemets rares. Pour faire des choses un petit peu plus avancées dans la technologie, n'est-ce pas? Allez. Juste fermer mon billet, excusez-moi, parce que tout à l'heure j'ai fait un billet, mais il y avait personne qui intéressait. Du coup, je me suis dit, bon, ben. Je vais lancer un petit live sur Astronir. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un live. Ouais, par contre, fuck that shit, l'énergie qu'il y a là. Il y a que dalle comme énergie. Ça va vivement que la plateforme se finisse, comme ça je pose mes petites choses, mes petits panneaux solaires. Ça, je vais le foutre là-bas. Tac. Faut que je fasse une bonbonne aussi. Connecter ici. Hop. Tac. Et elle est où mon. Hop. Ça, je vais foutre ça ici. Et pef. Roule. Je me trompe de bouton. Ouais, il faut aussi se refaire aux touches, hein, parce que bon. Aussi mettre le petit panneau solaire ici, hop, voilà, parfait. Là on a combien de... ok. Juste poser des minerais et puis on va partir minerai... On va partir miner. Hop, les rallonges je vais garder, composite aussi pour faire des rallonges. D'ailleurs je vais en faire maintenant en fait. Je vais en faire un petit peu banco, comme ça au moins le temps de trouver une mine et de l'explorer. On va se faire 4 stacks je pense, hop. Voilà, parfait. Pef. Bon, y'a plus de jeu, c'est normal, mais... Faut qu'on trouve une mine, est-ce que... Non, ça c'est ce que j'ai miné tout à l'heure. Ça c'est les... Non, c'est toujours un matériel, je suis con. Je voulais aller là-bas tout à l'heure, j'ai oublié.
tellement de choses à penser et à faire. On va y aller tout de suite, vous savez quoi? On va pas les miner. Parce que dans tous les... Enfin, il faut que je trouve une mine d'abord et... J'ai la flemme. Mais Allez. Ish. Oh, y a masse de résine ici aussi, là. Hop. Oh, des octets. D'accord. Oh nice. Enfin, encore, what the fuck. Mais what? Y'en a combien, frère? Hop. Ouh. C'est quoi ça? Aide de recherche d'exo, unité de recherche souterrain, maintenant le niveau. Hein? Quelle est cette chose? Je... What? Faut amener de la source d'énergie ici? Ouais, voilà, comme je le répète, ça fait très longtemps que j'ai pas touché à Astronir, du coup il y a des choses que je ne connais pas ou que je ne sais pas faire. Enfin bref. Pas mal de choses que. Qu'il faut que je fasse et que je connais pas encore. Par contre, comment je fais pour fucking atteindre les matériaux qu'il y a là-dedans? Je fasse comment, gros? Ah, d'accord, je peux pas miner, super. Allez, allez. Il y a des gros cailloux! Cassez-vous les cailloux. Non, mais frère, par contre, à un moment, faut arrêter. Voilà. Non, mais mec, il y en a partout. Stop un jour, non? Voilà, merci. De toute façon, la matière organique, on va la virer après. J'en ai absolument pas besoin pour l'instant. Est-ce qu'il y a des choses à peu près utiles ou... Ah oui, il y a de l'aluminium, ça c'est cool. Hop. Bon, c'est pas un truc de ouf, mais c'est quand même de l'alu, quoi. Là, par contre, j'ai un petit... La caméra, allô, merci. On a un petit truc, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et du composite, bon, je vais le prendre parce que, voilà, mais... Bon, pas ouf. Voilà, pour rappel, le... Oh, la caméra totalement buggée, quoi. Pour rappel, le composite et la résine, c'est vraiment les matériaux de base pour construire des comment ça s'appelle, des machines, etc. Donc voilà. Hop. Encore de la résine. Est-ce que il y a... Ok, encore des plantes à octets. C'est un délire. Par contre, sur l'autre, il y en avait 8000 là. C'était un délire. Oh, mais il y en a plein ici, putain. Ça c'est cool là pour récolter des octets. J'ai pas les déterrer, je pense. Parce qu'en fait, si vous voulez qu'on déterre les plantes. Ouh, c'est quoi ça? Oh, c'est une testicule à analyser. Hop, allez. Ça part. Ça part en prod, monsieur. Allez. Oui, d'accord. Et juste, elles sont où, mais. Elles sont là. Hop. Shit! Viens là, toi! On va ramener la monocouille. Est-ce que je peux poser la monocouille sur ça et je peux ramener les deux en même temps? Ah merde, je peux pas. On va ramener les deux, écoute, hein. En même temps, c'est pas grave. Merde, t'es pas de technique. Hop! Et pef! Pef! Hop, tu jongles entre les deux, tu vois. Et tu perds pas de temps. Oh, quelle mécanique! Ah! Bah, c'est un fail. Le karma bien présent, n'est-ce pas? Allez. Dites-moi aussi si vous voulez des épisodes plus longs, plus courts, qu'est-ce que je pourrais améliorer, etc. Qu'est-ce qui va pas? Enfin bref, vous connaissez les délires, les petits potes. N'hésitez pas aussi à ceux qui sont sur YouTube à venir me rejoindre en live sur Twitch. Si vous pouvez, ce serait toujours cool que je puisse alimenter tout simplement la review. Enfin la rediff plutôt, sur YouTube. Ah voilà, il y a de l'énergie là. Oh oui. Alors du coup, l'espace de stockage, ça vire. Paf. On va mettre ça. Non, ça j'ai dit. Ici, voilà, parfait. Ça on peut toujours pas les poser? Ah non. Non, il me semble qu'on pouvait, mais bon, je sais pas, c'est peut-être longtemps. Hop, voilà, on va poser les monocouilles à côté. J'ai combien d'octets actuellement? J'en ai 710. Ça va. 710 octets, on va pouvoir faire. On va pas
commencer pendant à pouvoir faire des choses plutôt cool. On peut faire un petit panneau solaire, on peut faire une éolienne, ok. Ça, je sais pas ce que c'est, faut que je me renseigne sur des trucs, je sais absolument pas à quoi ça sert. Si je reverse pas besoin. Là, actuellement, je charge des ressources d'énergie, s'il vous plaît. Sont où les éoliennes et tout, le bordel là. Four de fusion, j'en ai pas besoin pour l'instant. Peut-être là, non? Je sais pas, j'ai peut-être passé. Ah oui, c'est là. Ah oui, sauf que ça coûte cher en fait. D'accord, très bien. Bon alors, ça dépend. Combien toi tu me donnes d'octets à la mine? D'accord. Tu peux te poser, s'il te plaît. Merci. Alors, tu m'en donnes 460 en 5 minutes. Et toi? Allez, bouge ton cul. Pose-le, nom de Dieu. Oh, ça me rend fou. Mais non, pas ça que je veux, c'est ça. Ah, mais... Oh, je veux péter un plomb, sa mère. Merci. Et... Le jeu qui te prend pour un con. Allez, vas-y, tu... Vas-y. Voilà, super, merci. J'espère que tu m'en donnes 450 dans 5 minutes. C'est exactement pareil, génial. Voilà, j'ai galéré, pourquoi? Pour rien. Super. Après la grosse imprimante, ok, donc là faut que je fasse un petit support, ce serait cool. Oh, attends, au pire, est-ce que je peux pas juste faire ça? Tu dégages, merci. Panneau solaire, il va. Je peux pas me mettre là vraiment. Bah, on oblige. Oh là, par contre, la caméra est tellement lente, mon dieu. Qu'est-ce couille. Ok, imprimante, on va faire un petit support. Enfin, un petit paddle, toi, ce que je veux dire. Pas de la résine, chiette. Viens là, toi. Non, pas celle de recherche. Grande plateforme, voilà. Pef. Bonsoir à ceux qui arrivent, les potes, j'espère que vous allez bien. Attends, j'ai juste allumé la lumière parce que je vois... Désolé. Manette qui fait des siennes encore une fois. Allez, dépêche-toi, normalement ça mouline vite, voilà, parce que j'ai pas mal d'énergie, donc ça va plaisir. Il y a 8000 trucs qui sont en même temps, l'achat. Putain. Je me perds dans les touches, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce jeu, quoi. Allez, ça va aller là-bas, on va un petit peu terraformer après. Est-ce que je peux le dépasser quand il y a quelque chose dessus? Oh oui! Ça c'est bien par contre, parce que ça on pouvait pas. Hop! Paf! Ah par contre toi tu vas tourner parce que je crois que tu vas... Je pense que tu vas vraiment galérer pour envoyer des trucs, voilà. Parfait. Imprimante. Je peux faire un abri avec ça, ok. Bon j'en ai pas spécialement besoin mais bon, Osef. Combien d'octets actuellement? J'en ai 777, il m'en faut plus de 2000 pour avoir des bonnes ressources, etc. Ok. Bon. Qu'est-ce que je peux faire? On va poser des matériaux qui me sont inutiles. Comme ça par exemple, voilà. L'aluminium, j'en ai pas besoin non plus. Je vais garder le composite avec moi pour les rallonges. Et on va chercher un endroit pour miner. Est-ce que ça c'est une crevasse? Oui, totalement. Nice. Bah, il y en a une juste à côté, c'est génial ça. Par contre, pour remonter, ça va être chiant. Il va falloir terraformer. Oh oui, en parlant de terraformer, merde. Est-ce que j'ai le petit outil magique? Mais. Est-ce que je te demande de poser des rallonges? Je ne crois pas. Enfin. Comment qu'on fait pour switch? Ça y est, c'est bon, je m'en souviens. Hop, filtre à oxygène, bonbonne. Oh, il faut de la résine. J'en ai marre. Allez, on remonte, on va chercher de la résine. Je prends une bonbonne là pour terraformer si jamais j'en ai besoin. Normalement, attends, il y a un petit truc de résine là qui traîne là. Voilà, ici. Hop. Tac. Tu viens là, toi. Ouais. Arrête de faire de la dubstep, gros, s'il te plaît, merci. Voilà, parfait. Arrête de faire du skate, mon dieu.
Oh mais la caméra est lente. Hop, ok, donc maintenant. Voilà. Normalement je peux remonter. Faut faire ultra gaffe parce qu'il y a une putain de crevasse de ces morts là. Oh non, les trucs qui font prout et qui te tuent, c'est chiant ça aussi. Est-ce que je peux le niquer là? Allez, vas-y. Voilà, parfait. F. Maintenir, scanner. Oh, ça donne des octets, let's go! Hop. Nice, il y a déjà un petit escalier qui est fait. Ça c'est. Ah, oula, ça freeze. Les jouets d'Astronir. Uish. Ah oh, oui, il y a pas mal de trucs là. Quelle est cette chose encore? Ouais mais y'a des trucs frère, je sais pas à quoi ça sert mon pote hein. Je sais pas du tout ce que c'est, dites moi dans les commentaires ou ceux qui sont sur Twitch, dites moi à quoi ça sert parce que moi je suis perdu frérot. De la résine, je m'en branle, j'en ai déjà plein en surface. Nice. Pour 2 cm tu vas me casser les couilles, ouais merci. Yeah. Oh mais ça descend encore, what the fuck. Y'a quoi là-bas? Restons, on va rester le plus possible en sur... What? C'est minable? C'est quoi? C'est quoi? C'est du charbon? Je sais même pas ce que c'est gros. Je ne connais absolument pas ce truc. Un nouveau matériau qui doit permettre de faire je sais pas quoi encore là. Bon bah nice, je sais pas du tout si c'est rare ou si c'est commun, je... Mais bon, y en a, donc on va pas se priver, hein. On est pas très loin de la surface, ça se voit. Non, oh putain, du composite, c'est merde. Ouais, ça se voit, effectivement, on est pas très loin de la surface. Je vais en miner le plus possible. Oh, ça c'est cool, par contre. Et attends, en fait, je dis c'est cool, mais est-ce que c'est un minerai que je connais? Je sais même pas. What the fuck? Tout ce qu'il y a. Par contre, ils ont vraiment augmenté la taille des loot, hein, parce qu'avant il y avait pas tout ça. Hein. Genre quand tu voyais un truc de composite qui faisait tout ton inventaire, t'étais en mode waouh, il y en a tellement. Mais non frère, tu peux remplir 8 fois ton inventaire avec un seul loot, c'est... What the fuck? C'est quoi tout ça? Héros, j'en ai pour 8000 ans à tout miner là. Mais what? L'oxygène, je suis à combien? Ah! Heureusement que je regarde. Et qu'il y en a pas à côté, je vais crever. Il me meurt. Oh si je meurs. Ok. J'ai failli décéder. Let's go hein. Par contre, vraiment, je sais pas du tout si c'est rare ou pas. Il y en a tellement. Quelle est cette connerie? Je vais passer ma vie à miner en fait, genre. Yes. Ah, mais arrêtez. J'ai glitché le jeu ou quoi là? Mais tout ce qu'il y a, what the fuck? Non, mais mec, c'est débile là par contre, genre. Un jour madame va falloir arrêter. Et putain il y a encore un autre trou ici. Oh j'en ai marre. Attendez, on va juste essayer de faire ça. Voilà. Vraiment je tombe pas. Oh mais c'est débile tout ce qu'il y a. Non 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 mais arrêtez monsieur, je suis pas d'accord. Mais il y en a partout. Arrêtez. What the fuck? Non mais c'est juste débile. Non non mais non mais non mais non 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 mais non non mais non mais non mais juste non mais regarde. Ok j'ai plus envie de regarder. Fuck. C'est tel mais what? Mais y en a en haut aussi. Mais j'en ai marre. Y en a partout.
oxygène. Allô. Ouais. S'il te plaît, remonte. Voilà, c'est bien. Je m'en rends même pas compte que je descends quoi. Okay. On part en descendant. Non, 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 voilà, merci. Paf. Mais... Pff, voilà, et comment je fais maintenant moi pour te remonter en vrai? Parce que je mine, mais... Non. Adieu. Adieu, frère. Adieu, confrère. Non, reviens. Non. Ah, on est perdu. Attends. Ça finit de tout se casser la gueule là. Je terraforme comme une grosse bite. C'est moi terraformé en paix, voilà. Pef. Oh, si c'est le gaz qui tue, je le sème. Oh, mais regarde tout ce qu'il y a encore. Mais ça me rend fou. Je vais devenir dingue. C'est juste pas possible en fait d'avoir tête. Bochniak. Je sens que je vais remonter très vite parce que ça va me saouler. Mais gros, mais ça fait toute la map ou ça se fait comment là? C'est débile! Bah, cet épisode, je sais comment je vais l'appeler. Le minage de l'extrême, des héros. Ou le. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que je vais l'appeler comme ça. Non, mais. Non, mais arrête, c'est. Yes! Voilà, non, mais on n'a pas beaucoup de minerais. Si jamais on a besoin de cette ressource, je veux pas en savoir où venir. Pas sûr, mais. Je crois. Mais gros, mais. Il y en a partout. Il y a encore un truc bidule qui, je sais pas à quoi il sert. Et on a une testicule, Bon, moi je vais terraformer pour éviter qu'on se casse la gueule parce que je sens que ça va arriver à l'un d'entre nous et on va pleurer. Donc voilà, on va boucher ce trou de mes couilles. Pardon, excusez-moi. Hop là. Parfait. En mettant en creusé, merci. Hop. Et on part. On part. Hop. Non, reviens, reviens. Non, reviens. Ne descends pas. Non, mais reviens. Je l'ai attrapé au vol, frérot. On m'a toujours dit que j'étais très bon au basket. C'est pas vrai. Ah, par contre, il y a des nouvelles. Des nouveaux sons. Attendez. Je vais y arriver. Oh ouais. C'est... Franchement ça fait bizarre d'avoir... C'est quoi encore ce truc là? Est-ce que c'est le truc que j'ai miné tout à l'heure? Ouais ça a l'air. Par contre c'est très joli les effets de brillance et tout. Je trouve ça cool. Je trouve ça joli hein. Pam pam pam. Hop. Et c'est parti pour remonter. Ni. Ni. Nye. Retombe pas. Je sens qu'on va batailler. Tu peux rester en haut s'il te plaît? Reste en haut. En haut. Là. Pas bouge. Oh putain de cul. Là. Bouge pas. Chut. Pas bouger. Je vais le garder à la main en fait parce que je sens qu'elle va se casser la gueule. Ah je peux pas. Génial. Non. Tu ne descends pas. Merci. Tu ne descends toujours pas. Je veux pas juste rester là-haut, putain, plutôt que me casser les couilles. Non mais... Pas ça que je veux terraforme, putain. C'est ça. Non, j'ai pas du tout ce que je veux faire. Voilà, comme ça. Super. Voilà quand on y arriver. Bon, par contre le terraforming sur ce jeu c'est un coup de main à prendre hein. C'est voilà. C'est pas le truc le plus facile du jeu. Non, range. Voilà.
Et voilà, et ce genre de truc débile de transporter des trucs, bah tu te fais des duels de couilles volantes avec ton pote. Et enfin voilà, vous allez voir, de toute façon, dans le deuxième épisode, encore une fois, si ça vous plaît, vous allez voir, c'est... Je vais dire n'importe quoi, mais c'est pire que n'importe quoi. C'est extrêmement drôle en fait. Est-ce que maintenant tu m'autorises à poser des choses dessus? Raté. Je comprends pas pourquoi c'est totalement buggé. Genre, va falloir que je la recule ou ça se passe comment là? Bon, je vais la reculer, écoutez. Hein. Ouais, on va faire des travaux. Bah ça a pas l'air de plus marcher, mais bon, c'est déjà ça. On va faire une petite fosse à minerai. Je sais pas où je vais la faire. Pas trop loin. Bah on va juste la faire à côté du pad ici là, voilà. Hop. Pef. Voilà. C'est l'endroit où, quand t'as pas de matériaux. Enfin de matériaux pour zinc. Ah d'accord, donc ça en fait c'est, tu me fous dans la fonderie et ça te fait du zinc, ok. Je pense que c'est ça. Si c'est pas ça, tant pis, mais. Et ça, c'est. Ça c'est quoi? Matériaux pour verre. Oh c'est du quartz. Pour faire du verre. Si tu le... Tu peux me laisser le prendre? Ah oui mais je peux pas. Bon. On va mettre ça ici tranquillement. On va attendre que le jour se lève. Et puis qu'est-ce qu'on va faire en fait quand le jour va se lever? J'ai combien d'octets? J'ai 1300. À pouvoir commencer à faire une petite centrale d'énergie, n'est-ce pas? Broyeur, ok, tout ensemble, j'en ai pas besoin. Par contre, le tracteur, j'avoue, ce serait sympa. Ça coûte 1200. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment. Je sais pas. Je pense que je vais attendre 2500 pour tout acheter direct. Puis comme ça, ce sera cool. Qu'est-ce que je peux faire de plus là? Imprimante grande, j'ai déjà fait ça aussi. Bon, on va voir. Il faut qu'on essaye de faire une base qui crée son énergie quand il n'y a pas de soleil ou quoi. Apparemment, de ce que j'ai vu, il y a une centrale électrique ou quelque chose comme ça. Je crois, je suis pas sûr. Faut que je vois. Mais ouais. Faut qu'on ait une base qui soit autonome. En termes d'énergie, voilà. Après, on verra pour le reste, pour tout ce qui est camion, etc. Enfin, vous avez compris quoi, les rovers et tout. On verra après ça. Pour ça, j'ai vraiment une base qui est son énergie. Voilà, hop, les panneaux solaires, parfait. Et là, du coup, ça met combien de temps? Est-ce que ça va plus vite? 4 minutes 10, bah voilà. C'est déjà pas mal. Ça, c'est quoi? C'est juste de la fleur? Totalement de la fleur. Où est-ce qu'on pourrait aller explorer? Je sais pas. I don't know. Je vais pas aller là-bas. On pourrait peut-être partir là-bas, mais je vois rien au loin. Est-ce que c'est une bonne idée? Je le sais, bro. Je pense qu'on va rester le temps de l'analyse, etc. D'avoir des octets pour s'acheter tout plein de petites choses. À 1300 d'octets, est-ce qu'on peut. Ils sont où? Ok, c'est là. 2500 panneau solaire moyen. Attends, juste le moyen ça coûte 3750. What the fuck? Ah, c'est ça que je disais. Est-ce que ça c'est. Dans tous les cas, même si ça coûte pas cher entre guillemets en octets, ça sert à rien de l'avoir parce que de toute façon, faut trouver du lithium. Il faut faire de l'alliage, etc. Donc j'ai pas les machines adéquates.
Donc, batterie. Est-ce que ce serait intéressant de faire une batterie? Je sais pas du tout. Je pense plus perso faire une éolienne. Parce qu'on a déjà des panneaux solaires. Donc, je pense que je vais faire une éolienne. Ça coûte 2500. Allons miner des octets, les amis. Et c'est là-bas qu'on mine les octets. Ouais, c'est là-bas, c'est ça. Terminé, c'est une façon de parler, vous avez compris, mais oui. Puis je pense que une fois qu'on aura débloqué l'éolienne, je pense qu'on va s'arrêter ici pour le premier épisode. J'essaie de faire des un live assez court. Ok, j'ai cru que c'était un truc vert, mais non, c'est totalement de la résine en fait. J'essaie de faire un live assez court pour tout simplement que la rediffusion soit pas trop trop longue à regarder, etc. Après voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez vraiment que je fasse quelque chose de plus long pour X ou Y raison. Ni, allez. Paf, voilà. Il y en avait plein là-bas aussi, là. Voilà. J'ai pas besoin de rallonge, s'en fout. A plus. Encore une monocouille. Super. Il y a des couilles qui poussent sous les arbres maintenant. Oh, c'est beau. Attends, le truc il est en train de se satelliser là. Attends, attends, attends. Tranquille, frérot. Restons zen. Hop. Bon, moi, par contre, le truc qui est cool, c'est qu'on n'est pas en pénurie de, de matériaux, hein, frérot. Genre. Mon pote. Par contre, est-ce qu'ils ont simplifié le. Enfin, est-ce qu'ils ont raréfié ou pas le lithium ou pas? Parce que déjà que c'était galère d'en trouver au début du jeu. Allez, actez! Donne-moi les actez! F! Super! On est là-bas encore. Je veux les actez! Ah non, je juste rêvais. Je pensais que la petite bobo allait te donner des octets maintenant. Ah, par contre, là-bas, il y en a, ça, j'en suis sûr. Hop, la monocouille, je te pose à la base. Hop, paf, et je reviens. Ah, normalement, il y a des octets là, non? Y'a pas? Vous êtes sérieux? Ah, voilà, c'est bien ce que je me disais. Quand même. C'est une deuxième creuse, ça? Yes. Pouf. Putain de... Et... Voilà. D'accord. Ok. Ça va vous, genre... Qu'est-ce que ce truc? D'accord. Très bien. J'ai probablement failli mourir, je ne sais pas ce que c'est cette chose, mais au calme. Ah, j'ai plus d'oxygène. C'est plaisir ça. Encore ramener une monocouille. Allez, mais. Mais. Bordel de cul. Voilà, merci. Oh, il y a des. Y a des petits trucs. Ah non, c'est les runes que j'avais trouvées en début de. Live. Ah, c'est les trucs pour jump, trop bien. Et les trampolines. Oh, je sens qu'on va se faire des parties de trampoline avec, avec mon pote là, ça va être incroyable. Je divulgue pas que pour l'instant son identité. Je le laisserai se présenter tout seul comme un grand. Pour le prochain épisode. Hop. Voilà, on va ramener des testicouilles à la base. On va mettre celui-là parce que lui, ça fait très longtemps qu'il attend d'être scanné, n'est-ce pas? Hop. J'espère au moins que tu me donnes pas mal d'octets. Et c'est de la merde en fait. Tu es une merde. Casse-toi. Génial. Allez, par pitié, donne-moi que tu me donnes des octets, toi, s'il te plaît. Enfin, pas mal du moins. Donne-moi 1000 octets en 3 minutes, s'il te plaît. Je vais y arriver à le poser, hein, vous inquiétez pas. Ça va arriver. Ça met toujours un petit peu de temps à s'installer, parce que voilà, c'est gros, hein, vous avez compris. Allez, examine. 460, mais c'est éclaté, les gars. Wow, please. Allez, le dernier pour... Ah, d'accord. J'ai juste demandé en fait de virer ça, pas de virer la machine. Ça coûte cher le matos, va pas tout casser. Espèce de fou que tu es, va. Pas toi, toi. Casse-toi, voilà. Vol. Toi, viens là.
La caméra qui va encore bugger à souhait, voilà. 720 en 10 minutes, bah voilà. Déjà mieux. Et là j'ai combien? Oh, bon, bah on va bientôt avoir l'éolienne. Et ça signera la fin de l'épisode, voilà. Aussi, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que j'avance un petit peu en off. Pour avancer sur des trucs un peu chiants, genre par exemple, voilà le comment je pourrais dire ça, le. Peut-être le. Non, peut-être pas le terraforming, mais genre par exemple le minage ou des choses comme ça, ou voilà, les scanner des testicules, des testicouilles pour acheter des upgrades et tout. Alors, par contre, les upgrades, je les achèterai devant vous et pas de mon côté. Juste farmer, voilà, des testicouilles pour pouvoir. Acheter bah, justement ces matériaux, enfin ces machines. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Et j'en prendrai note, les frérots. On fout de ça ici, là. En mode bas les couilles. Parfait. J'en ai combien là? Ouais, il me faut 2500 là, allez, dépêche-toi. Résine nécessaire. Oui, mais j'en ai pas sur moi, me saoule pas, Jean Didier. J'en ai posé dans le trou ou pas? Est-ce qu'il y a de la résine dedans? Pas du tout. Faut que j'aille en chercher. Putain, fais chier. Y'en a encore là-bas ou pas? Non, ça c'est la fosse. Mais je me perds encore un petit peu, j'ai du mal. Allez, donne-moi de la résine. Y'a que ça? Ah, merci. Bon, quand même. Aspirateur Dyson en route. Bon, j'en ai deux, mais je regarde. Mais juste. Mais vraiment, y a que dalle là, en résine. Lourd. Bon, bah écoute, on va reboucher ce trou. Hop. Pef. Voilà, parfait. C'est rien passé. Ça avance tellement lentement. Mon dieu. Je vais juste sauvegarder vite parce que j'ai pas envie de tout perdre. Hop. Ni. Entre. Ni. Et t'es sérieux. Hop, voilà, sauvegarde en cours. F. Voilà, super. Nickel. Par contre, fuck quoi, j'ai vraiment pas d'énergie. Hein. Allez. Broyeur, remorque, siège de rover. Propulseur à carburant, mais je m'en fous, j'ai pas envie de faire des fusées pour l'instant, je veux juste de l'énergie quoi. S'il vous plaît. Allez, on va dépasser le stade des 2300, plus que 200 que t'es. Let's go. Je sais pas quoi faire moi en attendant. Ah, mon truc est fini. Allez, le soleil va arriver, les panneaux solaires vont s'activer, ça va aller plus vite. Voilà, parfait. Ah, ça travaille sec, hein. Tac. On branche ça là. Et on attend. Ah, ça va bien plus vite déjà. 193 par minute. Ah, voilà. Là, je suis d'accord. Là, monsieur, je dis oui, hein. On va attendre patiemment l'éolienne et puis après on va en faire quoi. Donc il me faut quoi? Il me faut du verre et de la céramique. J'ai pas de céramique. Yes. J'ai pété un câble. Répartiteur. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais vraiment.
Bah écoutez, je vais faire l'éolienne et puis je verrai pour la créer. Je sais pas du tout comment on fait de la céramique. Je. Allez, bientôt les 2500. Hop, pef, voilà, débloquer l'éolienne. Parfait. Est-ce que du coup à l'imprimante on peut. C'est quoi? C'est à la petite imprimante ou c'est à la grande imprimante qu'il faut. Examine! Nom de Dieu! Imprimante. Ok, c'est du coup ça la grande imprimante, je suppose. Ou est-ce qu'il faut encore une autre machine pour la produire? Abri. Oh, je vais péter un câble. Faut faire quoi pour produire une putain d'éolienne? Oh la grosse blague. Je me suis fait douiller. J'ai attendu tout un épisode pour pouvoir acheter ça et genre je me fais niquer à la fin. C'est une blague, monsieur. C'est genre vous foutez de ma gueule. Non mais nice, hein, vas-y, let's go. Hein. Bon, sur ce les petits potes, j'espère que cet épisode vous aura plu. Rendez-vous à l'épisode 2 avec mon petit pote. On va se taper des bonnes grosses barres. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus pour ceux qui sont sur YouTube et un maximum de